Je m'appelle Lucille Temel. J'ai été diagnostiquée il y a 11 ans d'une polyarthrite rhumatoïde. Quand il m'a demandé « est-ce que vous savez ce que c'est ?», je lui ai dit « je pense que c'est du rhumatisme ». Il m'a dit « non madame, la polyarthrite rhumatoïde, aujourd'hui vous êtes debout, demain vous êtes en chaise roulante ». J'ai vu le toit de son cabinet me tomber sur la tête. Ensuite, je suis rentrée chez moi, je me suis mise sur mon ordinateur. Pendant 4 jours et 4 nuits, j'ai cherché tout et n'importe quoi sur la polyarthrite rhumatoïde. Une fois que j'ai accepté cette maladie, j'ai commencé à en parler avec des proches, mais qui ne comprenaient pas. C'est très douloureux à vivre quand les autres ne comprennent pas ce que vous avez, et surtout quand ils vous répondent à côté. En fait, vous ne pouvez rien faire. Vous attendez juste à leur dire, mais bon, tu sais pas ce que tu dis, mais laisse tomber, quoi. Mon conseil serait aujourd'hui de positiver. Tout est possible. Si vous voulez arriver à faire quelque chose, vous y arriverez. Quand j'ai vu mon médecin, elle m'a dit « Madame, qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui ai dit « courir le marathon ». Et là, elle m'a donné quelque chose et je vais très bien. Prenez vos traitements et surtout positivez pour que demain, vous puissiez aller mieux. Parce qu'il y a un demain.